l'Europe et à l'approche de ce nouveau gouvernement, les anciens font tout doucement leurs bagages, anciens ministres bien sûr, certains même leurs adieux. Et c'était le cas de Bruno Le Maire ce matin. Bonsoir Margot Fodéré. Bonsoir Pierre. Le ministre de l'économie semble quitter Bercy avec un sentiment de devoir accompli. Pourtant, il y a quand même quelques trous dans la raquette. Oui, d'abord, Bruno Le Maire s'est félicité de la baisse du chômage et des impôts, du mouvement de réindustrialisation aussi enclenché depuis 2017. C'est vrai, hein, depuis 7 ans, la France retrouve son industrie, des usines et même des gigafactories. Sauf que dans le même temps, les finances publiques ont dérapé comme rarement. La dette a explosé, 900 milliards d'euros de plus depuis 2017. Mais pour Bruno Le Maire, le quoi qu'il en coûte était inévitable. Le Covid a été la crise économique la plus grave que le monde ait eu à connaître depuis 1929. Qui oserait dire sincèrement que ces dépenses de protection ne répondaient pas à un cas économique de force majeure? Alors nos voisins aussi ont protégé leurs concitoyens, mais c'est bel et bien en France que la dette a le plus fortement augmenté en zone euro entre 2019 et 2023. Le déficit aussi a dérapé, il devrait atteindre 5,6% du PIB cette année. Mais pour Bruno Le Maire, le redressement des comptes publics est toujours possible. La France ne doit pas revenir en arrière. Elle doit continuer de se fixer pour objectif de revenir sous les 3% de déficit public en 2027. Pour y arriver, le gouvernement devra trouver une centaine de milliards d'euros en 3 ans. Une mission impossible dont Bruno Le Maire ne sera pas chargé. Merci Margot Fodéré du service économie d'Europe 1. On en parle avec Marc Toiti, l'économiste, tout à l'heure à 19h15.